Bonsoir, ce lundi était très mitigé avec encore beaucoup de nuages du sud-ouest au nord-est accompagnés d'averses. Ce soir la pluie tombe en Bretagne et ça nous annonce une journée de mardi particulièrement désagréable avec une perturbation qui va concerner la plupart des régions dès le matin. Les deux tiers ouest seront sous la grisaille et la pluie, des pluies soutenues entre le Limousin et les régions du nord, également associées à un vent assez sensible. Le soleil va régresser vers la Provence ou encore vers la Corse. Dans l'après-midi, ce temps gris et pluvieux va s'étendre à une grande partie des régions avec des pluies assez soutenues entre la Dordogne et les frontières du nord-est, de la neige attendue sur les massifs de l'est, de fortes rafales de vent également pour couronner le tout et puis un temps sec vers le bassin de la Méditerranée mais là aussi pas mal de nuages, le soleil le plus franc pour la partie est de la Corse. Les températures de votre mardi matin entre 1 degré pour Luxembourg et 10 degrés le long de la façade atlantique et dans l'après-midi les températures qui restent bloquées sous les normales notamment au nord-est avec à peine 7 à 11 degrés. Il fera 13 à Paris, 14 degrés pour Nantes ou encore pour Montélimar et jusque 16 à 18 quand même aux abords de la Méditerranée. Mercredi, un temps toujours pluvieux avec une nouvelle perturbation du sud-ouest jusqu'au nord-est. Elle sera accompagnée de fortes rafales de vent. À l'arrière, un ciel variable et un temps toujours sec vers la Méditerranée. Température toujours inférieure au normal de saison, souvent entre 10 et 14 degrés l'après-midi, mais ça restera quand même plus doux près des Pyrénées et vers la Méditerranée. Jeudi, un petit répit prévu avec une alternance entre passages nuageux et belles éclaircies, quelques ondées ponctuelles qui vont de nouveau se multiplier sur les régions du nord-ouest où elles pourront s'accompagner de coups de tonnerre en cours d'après-midi et les températures souvent assez froides le matin et l'après-midi toujours bien fraîches pour la saison. Vendredi et samedi, un temps très perturbé prévu entre ces deux journées avec une perturbation activement pluvieuse pour la journée de vendredi qui va intéresser la plupart des régions, laissant ensuite place à un ciel de traîne pour samedi avec par endroits des coups de tonnerre et de la neige en montagne puisqu'il fera toujours aussi frais. Et puis pour votre dimanche de Pâques, un temps toujours assez nuageux au nord-est avec des averses, le retour de la pluie prévue par l'océan et puis on pourrait retrouver un lundi de Pâques très nuageux pour un grand quart nord-ouest avec des averses, mais les températures vont quand même remonter entre ces deux journées, notamment pour lundi où il fera bien doux sur la moitié sud. Demain, mardi 27 mars, nous fêtons les Habibs et nous gagnons 4 minutes de soleil. Bonne soirée à tous et à demain.